L'Union Aérospace Corporation est la plus grande société existante. Son activité était à l'origine concentrée sur l'armement et la défense. Puis elle s'est diversifiée dans la recherche biologique, l'exploration spatiale et d'autres projets scientifiques. Grâce à des fonds illimités et à la possibilité de mener des recherches au-delà du cadre des obligations morales et légales, l'UAC a le contrôle des technologies les plus avancées. Transport entrant détecté. Étoile noire en approche de Mars, 07063, descente sous... Étoile noire, descendez à 2000 vitesse constante. Contact au sol à 26972. Reçu, tour de contrôle. Nous les avons sur les radars, chef. Ils atterrissent dans quelques instants. Excellent. Envoyez-moi directement le conseiller Swan. Oui, chef. Étoile noire à la tour, phase finale. On vous a, étoile noire. Vous êtes OK pour arrimage. On n'arrive pas à croire qu'on en soit arrivé là. Je n'ai pas voulu venir ici. Il ne vous a pas laissé le choix. Oui. Mais c'est la dernière fois. J'en ai assez de réparer les dégâts à chaque fois qu'il fait tout foirer. OK. Vous avez les choses en main. En cas d'échec, c'est moi qui prends. Dans ces conditions, Betroger va devoir faire les choses à notre manière. Comme vous voudrez, conseiller. Bienvenue sur Mars. Tous les nouveaux arrivants sont priés de se présenter à la réception. Si vous cherchez de l'aide, allez à la réception. Bienvenue à Mars City, le premier centre de recherche de l'Union Aérospatiale. Pour faciliter le traitement de votre arrivée, veuillez vous rendre directement à la réception. Thank you.
Je quitte cet endroit et vous devriez en faire autant. Sur Mars, Marine. Vous allez devoir vous placer sur l'un de ces carrés rouges sur le sol pour un bioscan. Ça prendra quelques secondes. D'accord, je lance la procédure. Évitez de bouger, les mouvements ralentissent la procédure vitesse. Parfait, c'est bon pour le bioscan. Vous pouvez entrer. De la part de l'UAC, bienvenue sur Mars City. Cette installation sera le point de jonction entre la recherche scientifique Attention, et les études directeur archéologiques Banks, veuillez vous rendre à l'administration centrale. L'objectif numéro un de l'UAC est la sécurité et le bien-être de tous nos employés et invités. Pour nous aider à atteindre cet objectif, nous vous demandons de toujours respecter les procédures de l'UAC. Elles incluent de restreindre vos déplacements aux zones qui vous sont autorisées et de rester attentif à vos gestes ainsi qu'à des autres. Si vous remarquez une anomalie ou si vous avez une question, adressez-vous à l'un des agents de sécurité. Ils sont là pour vous aider, quel que soit le problème. Notre station sur Mars offre un large éventail de lieux de travail, de structures de loisirs et de socialisation. Nous assurons ainsi notre objectif de fournir à chacun une véritable expérience du foyer loin du foyer. Souvenez-vous de cela lorsque vous nous aidez à mener nos recherches destinées à transformer la vie quotidienne de tous ici et dans tout le système solaire. Pour toute aide complémentaire, contactez notre directeur des ressources humaines. Si vous êtes invité, utilisez votre liaison UAC pour exposer votre problème. Merci et bonne journée à vous. Bienvenue sur Mars. Première fois ? Vous pouvez laisser votre sac ici et je le ferai monter dans vos quartiers. D'accord, nous devons d'abord régler certaines choses. Voici votre assistant numérique personnel. Vous en aurez besoin pour accéder aux zones de sécurité. Si vous obtenez une autorisation d'accès à une zone de sécurité, elle sera téléchargée automatiquement. C'est très important. Ne le perdez pas. Je vois que le sergent Kelly demande à vous voir immédiatement. Rendez-vous directement au QG des Marines. C'est par ici. Suivez les panneaux. Mars City est un complexe non-fumeur. Veuillez ne fumer que dans les zones réservées à cet effet. Je vous ai jamais vu Merci avant. Merci de votre vous coopération. Vous faire partie de cette nouvelle équipe censée nous surveiller. Thank you.
Je suis là parce que nous avons apparemment de graves problèmes. Vraiment ? Faut-il que je vous rappelle la nature du travail sans précédent que nous effectuons ici ? Non. Mais le Conseil m'a autorisé à tout vérifier. Le Conseil vous a autorisé ? Le Conseil ne connaît rien à la science. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent avec un bon produit. Mais ne vous inquiétez pas, ils l'auront, leur produit. Après combien d'accidents ? Dites-moi, docteur Betruger, pourquoi autant d'ouvriers ont la frousse, se plaignent et demandent leur transfert pour quitter Mars ? Ils ne supportent pas la vie ici. Ils sont épuisés par la surcharge de travail. Si j'avais une équipe plus grande, plus compétente et un budget plus important, même ces petits accidents auraient pu être évités. Vous n'aurez rien de plus jusqu'à ce que mon rapport soit entre les mains du Conseil. J'aurai toutes les autorisations, docteur Betruger, y compris au complexe Delta. Cela ne me posera aucune difficulté. Seulement si vous fichez le camp, Swan. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Il va se passer de grandes choses. Vous verrez. Allons-y. Écoutez, l'ami, vous n'avez pas l'autorisation d'accès à ce secteur. Information IPN, votre univers, maintenant. Une nouvelle tête. L'UAC a démenti aujourd'hui les rumeurs propagées par des rapports signalant une augmentation de la présence militaire sur Mars. Selon un interlocuteur, il s'agit d'un déploiement stratégique pour définir les secteurs planétaires. Les autorités sont toujours à la recherche d'activistes responsables du bombardement lundi de l'usine Biomec et de la destruction consécutive de centaines de laboratoires Biomec. Dans l'espace, l'exploitation minière d'Amon signale 9 morts et 28 blessés à la suite de l'effondrement d'une voûte au cours d'une opération de routine. C'est le cinquième incident d'une série qui paralyse l'activité minière de l'astéroïde depuis quelques mois. De source officielle, la première des quatre explosions moteurs destinées... Miller, tu sais pour le caporal Allen ? Ouais, on dit qu'il a perdu les pédales. Ils l'ont rapatrié cette semaine. Un de perdu, un de gagné. Sans blague. Je me demande qui vont affecter à l'équipe Bravo maintenant. En tout cas, j'espère qu'ils ne prendront personne de mon équipe. Je déteste faire des heures sup. Tu parles. L'Europa continue de rouler. Ouais, moi aussi je les ai vus arriver. Bizarre. Assez pour craindre quelque chose. Et qu'il y a eu de nombreux accidents. Des accidents. Génial. C'est comme ça qu'ils les appellent maintenant. Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ça me dépasse. Moi, tout ce que je fais, c'est réparer les convertisseurs quand ils sautent, c'est tout. Oh, mais c'est quoi cette surcharge ? Je vous dis, qu'est-ce qu'il leur faut comme foutu puissance ? Moi, je demanderais pas si j'étais vous. J'ai entendu dire que Travis s'est mis à fouiller et que c'est pour ça qu'il a été transféré. Je l'ai même pas vu partir. Personne ne l'a vu partir. Il était là. Et à la minute suivante, il a disparu. Sacré vénard.
Attention, le docteur Braddick est prié de se présenter au bureau de gestion de l'environnement 4 Alpha. Allez faire votre rapport dès que possible au sergent Kelly. Ici la direction scientifique Delta. Nous demandons une autre équipe de sécurité. Bienvenue dans l'unité. On se voit plus tard. Oui, chef. Hey, vous n'avez pas des ordres à suivre ? Ne perdez pas de temps. Allez voir le sergent. On a pris son temps, soldat. Voilà où nous en sommes. Un autre membre de l'équipe scientifique est porté disparu. Puisque vous êtes le bleu ici, c'est à vous de le retrouver. Je veux que vous alliez fouiller l'ancien complexe de communication. On a de bonnes raisons de penser qu'il va par là. Le seul moyen de s'y rendre est d'emprunter le passage de service sous Mars City. J'ai programmé cette sentinelle pour vous guider vers l'ascenseur de maintenance. J'espère que vous suivrez la sentinelle mieux que vous n'avez suivi les ordres jusqu'à présent. Vous pourrez trouver de l'équipement au point de contrôle de sécurité au pied de l'ascenseur. Oh, et lorsque vous le trouverez, contentez-vous de le ramener ici. Ne lui faites pas de mal. Filez maintenant. Le personnel de l'UAC. Vous voulez gagner davantage de crédits? Portez-vous volontaire au laboratoire de Delta dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, consultez votre directeur de service. L'UAC se préoccupe de la qualité de vie de ses employés. Profitez de nos services de soins médicaux de qualité. Journal audio du technicien de maintenance Adam Bernesch, le 10 novembre 2145. J'ai réparé les couplages des boucliers thermiques ce matin sans rencontrer de difficultés. Par contre, il s'est encore produit quelque chose d'étrange. Je venais juste de terminer l'ajustement du premier couplage quand j'ai entendu une sorte de murmure. J'ai cherché l'origine du bruit, mais en vain.
J'ai aussi vérifié sur l'agenda de travail, mais personne d'autre n'était censé travailler dans cette zone aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est qu'après avoir entendu les histoires que racontent les gars des Labos Delta, tout ça m'a foutu une trouble. J'ai de plus en plus de mal à me rendre dans la zone de maintenance souterraine. Les gens qui bossent là-bas ont l'air étranges, toujours en train de marmonner. L'endroit lui-même est inquiétant. J'ai toujours l'impression que quelqu'un va surgir d'un coin sombre pour se jeter sur moi. J'ai rangé mes outils et le modulateur défectueux dans le placard de rangement près de l'ascenseur de la maintenance, le code d'accès pour les techniciens et le 396. Fin du journal. Bienvenue au donjon, Moraine, l'endroit le plus sinistre sur Mars. Vous allez devoir prendre une armure et neutraliser votre arme pour que je puisse vous faire passer la sécurité. Ok, prenez votre équipement. Maintenant, vous êtes prêt au combat. Laissez-moi faire un test radio. Mars 5, vérification. Excellent, bon signal. On dirait que vous avez été affecté à l'ancien complexe de communication. Suivez le passage principal à l'embranchement souterrain. Après, c'est tout droit. Vous devriez sortir rapidement. Le meilleur moyen de découvrir le paysage martien, c'est d'aller y gambader, non? Ok, vous êtes parés. Ah oui, souvenez-vous, il y a des civils qui travaillent là-bas. Alors ne vous excitez pas et évitez de tirer dessus. Personne dans le coin. Bienvenue au donjon. Vous êtes un curieux, hein? Chercher le scientifique, hein? Je ne suis pas sûr que vous vouliez le retrouver. Vous voyez... Non, rien. Écoute, bonhomme, j'ai fait ça mille fois. Salut, c'est Grant Baston, responsable des services environnementaux. Le 19 octobre. J'ai entendu un nombre affolant de comptes rendus sur des choses inexplicables.
C'est toujours un peu effrayant d'être sur une autre planète et de travailler en sous-sol. Donc ces commentaires ne sont pas surprenants. Mais ce qui m'inquiète, c'est leur nombre. Les gens ont vraiment peur. Et les rumeurs qui courent sur des expériences ayant lieu dans le complexe Delta n'aident pas. Les variations de tension non plus. Les lumières clignotent en permanence et les pannes de courant qui durent plusieurs minutes effraient tout le monde. Je fais mon possible pour informer et rassurer les gens, mais en manque de personnel. Des malades se font interner presque tous les jours. Je vais tenir mon directeur informé de la situation et continuer à faire des comptes rendus régulièrement. Salut, c'est Grant Baston, responsable des services environnementaux. Le 19 octobre. J'ai entendu un nombre affolant de comptes rendus sur des choses inexplicables. C'est toujours un peu effrayant d'être sur une autre planète et de travailler en sous-sol. Donc ces commentaires ne sont pas surprenants. Mais ce qui m'inquiète, c'est leur nombre. Les gens ont vraiment peur. Et les rumeurs qui courent sur des expériences ayant lieu dans le complexe Delta n'aident pas. Les variations de tension non plus. Les lumières clignotent en permanence et les pannes de courant qui durent plusieurs minutes effraient tout le monde. Je fais mon possible pour informer et rassurer les gens, mais en manque de personnel. Des malades se font interner presque tous les jours. Je vais tenir mon directeur informé de la situation et continuer à faire des comptes rendus régulièrement. Ça, à la maintenance, vous n'êtes pas capable de faire tourner ces machines ? Oui, monsieur, c'est juste que l'équipe scientifique exige beaucoup de ces trucs-là. Arrêtez les excuses et contentez-vous de faire ce que vous demande l'équipe scientifique. Bien, je fais mon possible, mais je ne peux pas expliquer certains phénomènes survenus dans les systèmes. C'est étrange. Faites votre boulot. La trouille aux gens. Tout le monde est déjà sur les nerfs ici avec tous ces éléments. L'ancien centre de communication. Vous feriez bien de vous bouger, mon gars. Ce passage ne vous y mène pas directement. Vous devrez marcher pendant un moment à l'extérieur du sas. Vous inquiétez pas, votre combinaison est chargée en oxygène.
Marine, c'est le sergent Kelly. Il va falloir vous manier là-dedans. Fouillez votre zone et ramenez vos fesses à Mars City. Terminé. Vous devez me laisser envoyer ce message. Il faut les prévenir tant qu'il est encore temps. Je ne peux pas laisser ce... Vous ne savez pas ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas comprendre, ni même avoir la moindre idée. Le diable existe. Je le sais. J'ai construit sa cage. Je reçois des relevés anormaux. Il y a un problème. Impossible de garder le contrôle aussi long. Seigneur, sergent Kelly à toutes les unités. Nous sommes attaqués par une force ennemie inconnue. Repliez-vous au QG des Marines pour vous regrouper. Je répète, repliez-vous au QG des Marines et attendez les ordres. Où êtes-vous? Je vois plus rien. Attention, Marine. Revenez à la base. Nous partons d'ici.
par l'ennemi. Faites sortir tout le monde! Tout de suite! Tout de suite! Ils attaquent en fort! On dégage! Toujours! L'ennemi en veille de niveau 1. Chef d'escouade, au rapport. Terminé. Équipe Bravo au poste de commandement. Nous avons un mort et deux blessés. Terminé. Équipe Fire 4 au poste de commandement. Nous sommes acculés dans les laboratoires Alpha. Équipe Fire 2 au poste de commandement. Système d'alimentation principaux HS dans les niveaux inférieurs. Système auxiliaire et assistance médicale bloquée. Beaucoup de pertes civiles. C'est un vrai merdier. Poste de commandement. On tente une zone de sécurité. Position avancée dans Alpha et vous avertis tôt quand elles sont dégagées. Terminé. Merde, ils sont allumés. Poste de commandement à toutes les unités. Revenez au quartier général des Marines et attendez les ordres. Nous sommes attaqués par l'ennemi.
Avancez dans Alpha et vous avertissons quand elles sont dégagées. Terminé. Le niveau 1. Excusez, nous sommes attaqués par l'ennemi.
sergent Kelly à toutes les unités. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. Je répète, identification négative de l'assaillant. Et ce sont sacrifiés. Si vous n'avez pas de route déterminée pour retourner à l'objet, rassemblez des munitions, établissez une place forte et tenez-les à distance. L'Union Aérospace Corporation est la plus grande société existante. Son activité était à l'origine concentrée sur l'armement et la défense.